peu comme je l'ai fait pour les tribulations de Tintin au Congo. Ça ne concernait pas que Tintin au Congo. Et ici, l'ouvrage n'est pas limité aux commentaires sur les différentes versions de Tintin en Amérique, mais j'ai voulu m'intéresser au rapport qu'Hergé avait avec l'Amérique, c'est-à-dire avec les Américains, d'un bout à l'autre de sa vie. Les premiers dessins qu'il a fait avant même sur le sujet du western ou des peaux rouges ou de l'Amérique des gangsters, ce qu'il a fait avant même la création de Tintin. Et ça va évidemment jusqu'à la fin de sa vie et de sa carrière avec les différentes visites, les différents contacts qu'il a eus aux États-Unis, puisque si Hergé est quelqu'un qui n'a pas beaucoup voyagé pendant toute la période de création de Tintin et toutes les aventures de Tintin, il s'est évidemment rattrapé sur la fin de sa vie. Et l'Amérique a été importante pour lui, même jusqu'au moment où il était fasciné par les progrès, par ce monde très dynamique et par l'art contemporain qu'il trouvait particulièrement intéressant aux États-Unis. Dans le fond, il faut se remettre en mémoire la première aventure de Tintin, qui est Tintin au pays des Soviets. Donc il avait envoyé son héros, qui valait ce qu'il valait, parce que ce n'était pas encore le héros flamboyant et plein de qualités qu'on connaît aujourd'hui. C'était vraiment un personnage un peu construit de briques et de brocs. Mais il l'avait envoyé en Russie soviétique, et Tintin s'était livré là une critique virulente du communisme. Le deuxième voyage aurait dû être celui en Amérique, parce que Hergé voulait donc contrebalancer ça directement par une autre fantaisie avec des aspects critiques aussi sur l'Amérique triomphante des années 30. Entre les deux, on le sait, il a été gentiment invité par son directeur, l'abbé Wallé, à faire d'abord étape au Congo belge. Voilà. Mais donc, il n'y a pas vraiment une fascination pour les États-Unis, c'est plus complexe que ça. Il faut peut-être remonter en arrière alors et voir quels sont ses premiers contacts avec le monde de l'Amérique. C'est probablement deux choses, je dirais. L'un à travers son père. Son père, adolescent, avait vu le spectacle de Buffalo Bill à Bruxelles. Hein, il devait avoir, je ne sais plus quel âge, 12 ou 14 ans, quelque chose comme ça. Il a dû en garder un souvenir vivace, parce qu'il a dû certainement en parler à son fils, parce que bon, Buffalo Bill, de tout temps, a été un héros mythique, à tel point même qu'on ignore presque tout de sa vie. Donc il y a cet aspect-là, venant du papa d'Hergé. Et puis, à travers la maman, parce que c'est la maman qui l'emmenait au cinéma, c'était le temps du cinéma muet, il a dû certainement voir des films burlesques, ça a une certaine importance, mais aussi des westerns. Et donc c'est ce contact-là avec l'Amérique. Et l'étape suivante, alors, c'était le scoutisme. Parce que le scoutisme, particulièrement dans les troupes de scouts neutres dans laquelle il s'est embarqué, enfin une de ces troupes, dans l'école communale d'Ixelles où il était, les scouts neutres avaient peut-être plus que les scouts catholiques une fascination pour le monde peau rouge, pour le langage des signes, pour le contact avec la nature que l'Indien était supposé véhiculer, et pour toutes sortes de raisons comme ça. Donc il y a cette fascination. Tintin en Amérique est évidemment constitué un progrès, déjà sur le plan graphique, par rapport aux deux premiers albums. Hein, Tintin acquiert des proportions, une dynamique plus homogène, je vais dire. Mais il y a aussi l'autre aspect, l'aspect moral, enfin le contenu de ce scénario. Ce n'est pas encore un scénario construit d'avance, on le sent, c'est de semaine en semaine des rebondissements, il y a probablement une ligne de conduite qu'Hergé suit à peu près, mais il n'empêche qu'il est presque happé par la problématique du gangstérisme à Chicago, puisqu'il fait débarquer Tintin à Chicago. Bon, il est là en mission, c'est même drôle parce qu'il est mis quelque part dans le petit 20e, qu'il est mandaté par le gouvernement américain. Donc il est appelé par le gouvernement américain pour remettre de l'ordre dans la ville de Chicago, qui est complètement gangrénée par les gangsters et notamment par les bandes d'Al Capone.
Même au niveau des gags, il est évident que Hergé s'amuse beaucoup. Il invente des gags au détriment de l'un et de l'autre, que ce soit un gangster, que ce soit Tintin lui-même, pourquoi pas, la police, etc., etc., ou même les Peaux-Rouges. Donc, au-delà des gags, il y a quand même une certaine évolution d'Hergé qui sait plus ou moins dans quelle direction il doit mener son personnage. Cela étant, je l'ai dit, du temps du scoutisme, Hergé avait une fascination pour l'Indien, donc un grand respect pour les Indiens. Et dans le fond, les Indiens qu'il nous montre dans Tintin en Amérique, dans la deuxième partie importante, sont des personnages assez naïfs, ne correspondent pas, bizarrement, à la chaleur qu'Hergé aurait dû éprouver pour eux. Et j'ai eu l'explication un peu par hasard en lisant une interview d'Hergé, et ça nous ramène justement au concept d'ensemble de Tintin en Amérique, c'est qu'il a dit qu'il aurait voulu faire une histoire où les Indiens vraiment avaient une part importante, et il aurait donné sans doute une image favorable, plus favorable en tout cas des Peaux-Rouges. Mais le fait que Tintin soit là à se battre contre les gangsters, à redresser des torts, etc., il a été presque à son insu mobilisé par ça, et finalement l'album est déséquilibré. L'album est déséquilibré parce que les Indiens, les Peaux-Rouges, qui étaient importants pour lui, sont finalement réduits à une portion, je ne vais pas dire la portion congrue, mais quand même une portion qui aurait pu être beaucoup plus importante et surtout beaucoup plus positive aussi. Donc on ne fait pas ce qu'on veut, même quand on est auteur comme Hergé et qu'on improvise semaine après semaine, tout en sachant plus ou moins où on va, on peut aussi être victime, on peut être détourné comme ça de sa ligne de conduite. Je pense que ce détour vient de lui. Je pense que c'est quelque chose que son scénario, que ses gags, même si c'est un scénario semaine après semaine, c'est ça, il s'est laissé embarquer, quand il a fait quelque chose, la semaine suivante, il essaie de faire une liaison, il sait que deux ou trois semaines après, il se passera ça, et puis finalement, il oublie un peu peut-être de faire la part des choses. Mais c'est tout ça qui est passionnant, évidemment, c'est de suivre Hergé. Moi, j'ai toujours été passionné dans les ouvrages que je publie, passionné par le travail d'Hergé. C'est comme si je me penchais par-dessus son épaule. Et mon grand plaisir, évidemment, de faire partager cette impression-là, d'où mes incursions dans la vie personnelle d'Hergé, dans ce qui lui arrive, dans sa technique, dans son expérience graphique, dans sa documentation. Tout ça, c'est la vie, c'est le corps. À l'époque, sur quoi Hergé s'est-il basé pour faire Tintin en Amérique ? Ben, sur plusieurs choses. En fait, d'une part, et c'est important, sur ce qu'en racontait le journal Le XXe siècle dans lequel il travaillait, donc les titres, et d'où la présence d'Al Capone, parce que c'était vraiment la pleine période où Al Capone avait déjà des problèmes, était incarcéré, était interrogé, etc., mais payait des cautions, vivait de manière très luxueuse dans des cellules, etc. Donc c'était pas encore la fin d'Al Capone, mais le journal en parlait. Donc il y a ça. Al Capone, qui est évidemment un des rares personnages qui a réellement existé, avec Chang, mais sous un autre nom alors, Basil Bazarov, et quelques autres, quelques anonymes aussi. Mais donc c'est vraiment très important, cette présence d'un personnage réel. Il y a donc le journal, cette mentalité qui transparaissait, qu'Hergé recevait comme une éponge. Il y a aussi les lectures qu'il a faites. Et là, il y a notamment un livre qui lui a paru important, c'est « Scènes de la vie future » de Georges Duhamel, qui est donc un ouvrage qu'il a lu et qui décrit le machinisme, l'industrie, la finance, qui décrit l'Amérique conquérante, puissance d'argent, puissance technologique, etc., etc. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui lui a fait oublier les Peaux-Rouges, parce que ce livre ne parle pas des Peaux-Rouges. Donc, il s'est laissé influencer par ça. Ça décrit notamment aussi les abattoirs de Chicago, donc ça donnera naissance plus tard
à une séquence très animée. Il y a un autre livre qui lui a paru très important, c'est « Mœurs et histoires des peaux rouges » de René Thévenin et Paul Cause. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose parce qu'il est protégé, évidemment. Enfin, bon, voilà. C'est un livre, là, fait par des scouts. Hein. Paul Cause était un Français, mais qui était devenu très, très connaisseur de la mentalité des peaux rouges. Qui a probablement un peu, par rapport à la réalité, qui a probablement un peu brodé, un peu enjolivé, mais c'était important. Et c'est un livre dans lequel Hergé a puisé pour pas mal d'illustrations, que je reprends d'ailleurs dans mon livre, et à différents moments, pas seulement pour Tintin en Amérique, mais aussi pour des illustrations, tout simplement. Alors, il y a Le Crapouillot, un numéro spécial du Crapouillot sur les États-Unis, qui s'appelle donc Les Américains, dans lequel il y a pas mal de photos et de sujets qui sont traités, qu'Hergé a retenus et dont il s'est servi. Donc voilà, ça commence à faire un joli panorama. Il y a aussi la revue Vue. La revue Vue était une revue à l'époque qui avait une grande qualité graphique, une grande audace dans les mises en page, beaucoup d'importance accordée à l'image. Il y a des textes, il y a des articles, bien entendu. Et ici, c'est un numéro spécial de la revue Vue qui est consacré aux États-Unis. Et donc, il y a beaucoup de photos là-dedans, notamment avec des gratte-ciel, etc. Et c'est dans ce genre de revue qu'Hergé découpait des photos et qu'on retrouve alors ailleurs. Donc, Hergé, très vite, commencé à découper dans des revues, la revue Vue, Le Patriote Illustré et d'autres revues qui d'ailleurs ont disparu entre-temps. Il découpait ça, il collait ça sur des feuilles et il numérotait soigneusement les feuilles et ça donnait naissance à une documentation considérable au bout de la carrière d'Hergé, considérable. Et il se fait que j'ai la chance d'avoir ici quelques exemples. Donc c'était du classement vertical dans une armoire métallique. Et donc, il y a tout un système de numérotation sur les documents. Alors, prenons-les ici, puisque c'est ce qui concerne les gratte-ciel. Il doit y avoir, je suis sûr, dans cette documentation, des tas de choses, et je suis sûr qu'on va retrouver des choses découpées dans la revue Vue, parmi cette documentation. Et donc, il gardait tout ça et il s'y référait. Il s'y référait, évidemment, au fur et à mesure des besoins. Il y a des tas de documents qui n'ont pas été utilisés, mais c'est vraiment une grande joie pour des tatinophiles de tomber tout d'un coup sur une photo dont on trouve directement le dessin. Et on peut à ce moment-là voir, évidemment, les différentes. Bon, il y en a plein comme ça, je ne vais pas évidemment vous les montrer parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais il y a donc cette documentation, si je prends rien que les titres ici, États-Unis, Statut de la Liberté, Ville et Maison, Paysage, typiquement USA, Ouvrage complet, Gratte-ciel. Un autre, c'est États-Unis, Cowboy. Là, c'est Indien, avec costume, campement, danse et cérémonie, Indien moderne, document complet. Et toute cette documentation est là à sa disposition. Et enfin, il y en a une grosse ici, encore un gros recueil sur les États-Unis avec Statut de la Liberté, Ville et Maison, Paysage, etc. Donc voilà, les livres, les revues, les choses qu'il découpe et qu'il conserve, et cette documentation qui devient, au fil des années, une documentation de référence. Donc ça veut dire aussi que sur la fin de sa vie, quand il avait un nouveau sujet en tête et qu'il avait besoin de telle ou telle chose, il risquait de le trouver, je dirais, un facteur du fin fond de la France, une cabine téléphonique londonienne, un véhicule des années 50, enfin tout quoi, un bunker pour prendre vol 714 pour Sydney, etc. Du point de vue de la documentation, on peut vraiment dire qu'il était en avance, parce qu'il y a même quelque chose de très amusant. Donc je disais tout à l'heure que sa documentation était dans trois ou quatre tiroirs, un meuble métallique, meuble qu'on voit d'ailleurs dessiné dans l'affaire Tournesol. Le mobilier des studios est souvent représenté. Et au-dessus de ce meuble, et on le voit aussi dans l'affaire Tournesol,
Il y a un petit tiroir métallique dans la même couleur, couleur kaki comme ça. Et dans ce tiroir, qui est un fichier, quand on l'ouvre, on a toutes des fiches alignées qui suivent évidemment une documentation et avec des ergots qui dépassent. Donc il y a eu quelqu'un, c'est peut-être le papa d'Hergé, qui a travaillé dans la documentation, c'est peut-être d'autres, c'est peut-être Hergé lui-même aussi, on ne sait pas, qui découpait sur le bord supérieur des fiches des petits ergots qui étaient mis en couleur et parfois qui étaient mis en deux couleurs. Hein, le petit rectangle qui dépasse est coupé en deux, en oblique, et il y a deux couleurs, et ça permettait de retrouver des choses. Je ne pourrais pas expliquer comme ça de mémoire quel était le code, d'ailleurs il faudrait le retrouver, ça se trouve ici quelque part, mais donc c'était un système très sophistiqué, bien avant évidemment l'ordinateur. L'ordinateur a tout changé. Aujourd'hui, je ne vois pas, il y a peut-être des dessinateurs qui ont une documentation comme ça, qui prend des armoires et des armoires, mais je pense qu'aujourd'hui, avec notamment tout ce qu'on peut trouver sur Internet, il n'y a plus besoin de faire ça. Je peux évidemment citer quelques éléments qui sont remarquables pour moi, c'est-à-dire qui m'ont surpris ou qui m'ont séduit ou qui m'ont fait tout simplement m'interroger. Mais ce n'est pas nouveau pour moi, parce que ça fait des années évidemment que je suis plongé là-dedans, mais quand même, je me remémore par exemple quand je vois dans Tintin en Amérique la séquence de l'enlèvement de Milou. Donc Tintin répond à des interviews dans la pièce à côté, il laisse Milou dans une chambre, quand il revient, Milou a été enlevé, et il y a une lettre anonyme qui réclame une rançon. Quand on regarde les dates de parution de cet épisode dans le petit 20e, on est glacé de, je ne vais pas dire d'effroi, mais d'émotion en tout cas, parce que c'est quelques semaines après l'enlèvement du bébé Lindbergh. Donc Charles Lindbergh, le pionnier qui a traversé l'Atlantique quelques mois ou quelques années plus tôt, en 27 je crois, qui est donc le premier à avoir pu relier en avion l'Amérique à l'Europe, Lindbergh était devenu un personnage célèbre. Et son fils a été enlevé une nuit dans sa maison. Et on a malheureusement retrouvé l'enfant assassiné dans les buissons, plus tard, quelques jours plus tard. Mais entre-temps, il y avait eu des demandes de rançon. Et des journaux, comme le XXe siècle par exemple, avaient titré qu'on soupçonnait Al Capone, comme par hasard, d'avoir commandité cet enlèvement. Donc voilà un enlèvement tragique, parce que bon. La mort du petit Lindbergh a frappé les imaginations, a été répercutée dans la presse, à la radio à l'époque, c'était vraiment un événement considérable. Comment Hergé ose-t-il prendre cet élément-là pour en faire un élément finalement plus ou moins comique, en tout cas léger, si on peut dire. L'enlèvement de Milou est peut-être une tragédie pour Tintin, mais il ne faut pas exagérer. Eh bien, c'était ça Hergé, c'était profiter des différentes choses. Sans évidemment citer sa source, s'il avait dit Milou enlevé, Tintin, enfin qui dirait Milou enlevé comme le petit Lindbergh, non, Hergé s'abstrait de ce cours de l'histoire avec ses côtés tragiques, mais il retient peut-être les différents éléments. Et alors ce qui est peut-être amusant, alors pour un peu s'écarter de la tragédie, c'est que le montant exigé pour rendre Milou est plus important que celui du petit Lindbergh. Alors quittons un instant les gangsters pour aller plutôt vers les Indiens, les peaux rouges. Là aussi, il y a des surprises qui me sont arrivées il y a quelques années. C'est par exemple la redécouverte à Saint-Boniface, donc le collège où Hergé a fait ses études, de ce qu'on appelle des fresques, qui sont en réalité des motifs faits au pochoir, dans l'ancien local scout. Et donc on apprend qu'effectivement, Hergé, le jeune Hergé, il avait 16-17 ans, a été chargé de redécorer, de rénover, de redécorer ce local. Donc en badigeonnant les décorations qui étaient faites auparavant, et en mettant donc, avec l'aide de sa patrouille, il était chef de patrouille à l'époque, des répétitions de pochoirs autour des chambranles de porte, par exemple, les scouts qui tirent à la corde et qui font monter les autres des deux côtés de la porte, à hauteur de plafond
la succession d'Indiens et de trappeurs, je crois. Non, d'Indiens et de scouts, c'est ça. D'Indiens et de scouts. Donc c'est le même motif qui se répète et qui va dans un sens, qui va dans l'autre. Et à hauteur de la ceinture, quand on est debout dans le local scout, une série de chevaliers en armure qui partent en avant. Donc la symbolique du chevalier est plutôt appartient au scout catholique. La symbolique de l'Indien, du bon peau rouge, est une symbolique qui vient des scouts neutres. Et Kergé est probablement un de ceux qui l'a amené à Saint-Boniface, puisqu'il a fait une année de scoutisme neutre avant de gagner la troupe du collège Saint-Boniface. Donc il a créé ce motif. Et c'est évidemment un épisode que je ne passe pas sous silence, que je montre dans ma chronologie des événements, et tout aussi émouvant évidemment est de retrouver dans les carnets scouts, enfin les carnets de dessin de cette période scout, différentes choses, et notamment des cow-boys, notamment des scènes de saloon, notamment un feu de camp mis en couleur, etc. Et avec aussi parfois des remarques du responsable de l'atelier, c'était l'atelier de la Fleur de Lys, qui rassemblait des scouts de différentes troupes qui avaient envie de progresser en dessin. Donc il y a parfois des remarques un peu cuisantes, comme ça, par exemple le fameux feu de camp scout, il est marqué dessus, en travers, enfin en périphérie quand même, que les couleurs sont mal choisies, par exemple. Donc voilà. C'était pas forcément des dessins qui étaient destinés à apparaître, c'était vraiment pour des travaux d'écolage, des croquis d'observation ou des croquis d'imagination, des dessins mis à l'encre de Chine, etc. Mais certains de ces dessins ont donné naissance à des choses plus élaborées qui sont parues dans des revues. Il faut pas oublier que Hergé, dès l'âge de 16 ans, a vu ses dessins apparaître dans le Boy Scout, qui était l'organe de la Fédération des Scouts catholiques de Belgique. Donc c'était une revue qui dépassait le cadre du collège. Donc il y a de tout là-dedans. Il y a des dessins qui sont des brouillons pour des choses qui sont parues, effectivement. À propos de cow-boy, on peut évidemment dire que Vastapopoulos est le dernier avatar des cow-boys. Mais là, c'est vraiment un cow-boy ridicule. Un cow-boy de cirque, je vais dire, avec des couleurs rose, mauve, un gros cigare, etc. Des bottes qu'on ne voit peut-être pas dans les westerns, en tout cas. Je ne sais pas si la boucle est bouclée avec ce Rastapopoulos ridicule, parce que le but d'Hergé n'était pas celui-là. Simplement, il a mené Tintin à travers différents épisodes. Rastapopoulos est devenu, au fil des albums, au fil de plusieurs albums, l'ennemi juré de Tintin, donc Hergé a eu envie de le ridiculiser complètement. Il a d'ailleurs ridiculisé d'autres personnages dans cet album Vol 714 pour Sydney. Mais le but d'Hergé n'était pas non plus de déconstruire l'ensemble de ce qu'il avait fait. Je veux dire, l'attachement aux Indiens lui est resté jusqu'au bout, puisque dans les années 70, il s'est rendu aux États-Unis d'abord pour raisons médicales. Et il en a profité pour aller voir les peaux rouges. Il avait fait la connaissance une dizaine d'années auparavant du père Gall, qui était un moine trappiste qui était Sioux d'adoption et qui était un expert du point de vue des peaux rouges. Donc quand Hergé a dû aller aux États-Unis pour raisons médicales, il a pris ses renseignements auprès du père Gall parce qu'il lui tardait d'aller voir les Indiens sur place. Donc il a été à ce moment-là dans une réserve indienne du sud Dakota, et évidemment ce qu'il y a découvert ne correspondait plus à la période de gloire des peaux rouges qui avaient vaincu Custer's et l'armée américaine, etc. Tous ces épisodes sont en filigrane aussi, parce qu'il y a des lettres d'Hergé dont je reproduis des extraits d'ailleurs, où il en parle, ou alors où le père Gall lui en parle. C'est donc tout un fond très émouvant, cet attachement aux peaux rouges. Pour les cow-boys, on ne peut pas dire que c'est tout à fait pareil, évidemment, parce que c'est l'Amérique d'aujourd'hui qui, peu à peu, se réhabilite. Hein, Tintin, en Amérique, est très caustique, à un moment donné, enfin très cruel. Hergé dénonce.
en une image qui est, que tout le monde a en mémoire, c'est le moment où les Indiens sont chassés de leurs terres par la force des baïonnettes parce qu'on a découvert du pétrole sur leurs terres. Donc cette image est vraiment une image très très forte. Elle est toujours actuelle et en fait, quand Hergé l'a élaborée, il savait ce qu'il faisait. Alors, je parlais de Vastapopoulos. Il y a pour les tatinophiles ou les tatinologues, je ne sais pas, il y a une vaste question, il y a même un débat. Est-ce que c'est Vastapopoulos qu'on voit à la fin de l'album quand Tintin est reçu par que des Blancs? Il n'y a presque pas de Noirs dans Tintin au Congo. Enfin, c'est un autre problème. Il est reçu là par des hommes politiques, des industriels, une actrice de cinéma, etc. Et il y a là quelqu'un qui n'est pas nommé, mais qui a tout le physique qu'on va trouver à Vastapopoulos un an après, dans Les Cigares du Pharaon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne pense pas qu'il nous montre là, dans Tintin Amérique, le Vastapopoulos qu'on va connaître après, mais il n'empêche que quand on sait que dans l'album suivant, Vastapopoulos est un producteur de cinéma, pas très sympathique d'ailleurs, enfin, il joue le sympathique, mais il joue double jeu, un directeur d'une entreprise de cinéma, ça correspond plus ou moins à ce qu'on peut... Enfin, ça, c'est plausible. Il y a une actrice de cinéma qui est Mary Pickford, que Hergé appelle Marie Piquefort, mais c'est évidemment Mary Pickford, une actrice très célèbre de l'époque. Donc, c'est plausible, mais c'est pas dit, évidemment. Ce qu'Hergé nous montre dans Tintin en Amérique, c'est très, très vaste. Toutes sortes d'aspects, il n'y a pas que les cow-boys et les indiens, il n'y a pas que les gangsters, il y a la prohibition par exemple, il y a les demandes de rançon, les enlèvements, etc. Il y a l'omniprésence de la voiture, il y a les constructions gigantesques, il y a les buildings, il y a le trafic routier, et j'en passe. Alors, il y a une chose qui est assez amusante, c'est qu'au moment où Tintin allait partir en Amérique, donc ça nous ramène au début des années 30, la rédaction du journal Le XXe siècle a reçu une lettre d'une Belge qui était en Amérique et qui était sans doute une lectrice de Tintin avant son mariage, quand elle était en Belgique. Et elle écrit une lettre qui est touchante, qui arrive évidemment dans les mains d'Hergé, fatalement, en disant « Si Tintin veut venir chez moi, il sera le bienvenu. » Déjà, c'est un petit peu comme si elle croyait vraiment que le personnage existait. Je ne trouve pas qu'elle est naïve à ce point-là. Mais elle décrit notamment toutes ces constructions qui sont faites rapidement, les maisons qu'on recule sur des roues, sur des roulettes, les buildings, enfin les bâtiments qu'on démolit et qu'on reconstruit en quelques jours, quelques semaines, le gigantisme, etc. Elle explique tout ça. Elle ne parle pas des gangsters, pourtant elle habite Chicago. Mais ce sont des choses qui frappent Hergé. Et donc, fatalement, il va les traiter à sa manière. Il y a d'autres aspects. Je ne sais pas, l'automobile, par exemple, Hergé s'en moque à un moment donné, quand, vers la fin de l'album, Tintin est invité aux usines Slift, usine de viande. Il y a bien entendu dans le livre que je vous ai montré tout à l'heure, et dans d'autres d'ailleurs, toute une description des abattoirs de Chicago. Là, Hergé se plaît évidemment à montrer un machinisme qui permet de faire entrer les bestiaux d'un côté et d'avoir les salaisons qui sortent de l'autre côté. Soit dit en passant d'ailleurs, dans la version première de Tintin Amérique, quand on voit les bœufs rentrer à la queue leu-leu dans la machine, si on regarde bien, on aperçoit un mécanisme avec un pic. On se dit, oulala, c'est comme ça qu'on abat à la seconde d'après les bêtes. Ça, quand il va remanier son dessin, parce que dans mon ouvrage, il y a trois versions différentes de Tintin Amérique, dès la deuxième, il élimine ce côté cruel qui n'était pas évident, mais qui était là quand même. Voilà. Et donc, le machinisme est là, et l'automobile, puisque j'ai cité le nom par exemple, dans le Crapouillot, dans ce magazine-ci, il y a une photo des voitures qui ont fait leur temps et qui sont là dans les champs, qui pourrissent,
qui sont des voitures accidentées ou pas d'ailleurs, etc. Il a été frappé par ça, et donc Hergé, avec son humour, surtout cet humour débridé qu'il avait au début, il se sert des carrosseries de voitures qui sont rachetées pour en faire des boîtes de conserve. Donc voilà, dans cette séquence des abattoirs de Chicago, il y a même aussi la présence de la voiture. Mais sinon, il y a plein de voitures, des poursuites dans les rues, d'ailleurs sur la couverture de mon livre, c'est une poursuite de Tintin dans les rues de Chicago qui est assez impressionnante. Donc, même si cet album, Tintin en Amérique, n'est que le troisième dans le parcours d'Hergé, hein, où il n'a pas encore développé toutes ses qualités de scénariste, d'agenceur, de séquence, de ciseleur, de séquence, etc. Hein, il y a encore un côté spontané. Mais malgré ça, pour un troisième album, il y a déjà des traces de génie dedans. Parce que Hergé se sert de tout un matériel, l'air du temps, l'actualité, des éléments disparates qu'il parvient à raccorder, une certaine générosité, la fameuse scène des Indiens chassés de chez eux, etc. Il arrive à agencer tout ça de manière extrêmement plaisante, extrêmement fluide, et finalement avoir une arrivée de Tintin avec une certaine mission, et puis à la fin de l'album, Tintin retourne chez lui, mission accomplie. Il a quand même passé un bon bout de temps aux États-Unis, il lui est arrivé des tas d'aventures, il a couru des dangers, il a pris des risques, il a été vraiment mis en danger par la vindicte d'Al Capone, et pas seulement d'Al Capone, de sa bande rivale aussi. Voilà. Mais il a voulu redresser les torts, poursuivre un bandit qui était nécessaire de coffrer, etc. Donc il a suivi sa mission, même si c'est une mission naïve au début, hein, les choses seront plus subtiles dans les albums au fur et à mesure. Mais malgré tout, c'est quand même fait pour une aventure qui est encore en partie improvisée, c'est quand même pas mal, quoi. Je dirais que Tintin, au pays des soviets, Tintin était confronté à la brutalité, à un côté primaire, mais en même temps, c'était une caricature sévère du régime soviétique. Aux États-Unis, la caricature est là, il y a bien entendu une vision qui est peut-être faussée par ses lectures, par la mentalité qui règne dans le journal où il travaille, mais c'est quand même déjà moins outrancier. Par après, les choses vont devenir plus nuancées. On sait bien qu'à partir du Lotus Bleu, il va y avoir une générosité qui s'installe, un contact de Tintin avec l'autre, avec les autres, qui est important, et Tintin n'arrêtera pas d'évoluer, bien entendu. Mais je trouve que pour un troisième album, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, bon, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que dans mon ouvrage, il y a les différentes versions. En fait, Tintin en Amérique a été fait au début des années 30, en noir et blanc. Par après, on a glissé dans les albums des hors-textes en couleur. La couleur pénétrait dans cet album. L'album en couleur date de 1947, donc beaucoup plus tard, avec des nouveaux dessins. Or, en fait, je publie aussi intégralement dans mon ouvrage la version intermédiaire. La version intermédiaire, c'est un peu comme pour Tintin au Congo dans mon ouvrage précédent. C'est Hergé qui reprend les mises en page anciennes, donc de l'album noir et blanc, mais en faisant un nouveau dessin, généralement sur calque. Donc il pose un calque sur les images, et au lieu de faire le dessin un peu rond, un peu pâteau, qui était le dessin de la version d'origine, il fait le Tintin des années 40, parce que nous sommes là 10 ans pratiquement après la création de l'album Tintin en Amérique. Donc il fait un nouveau dessin, sans savoir qu'un peu plus tard, il va avoir à se servir de ce dessin pour l'album en couleur. Donc on est là dans une période charnière, 42, Hergé est contacté par Casterman, on lui propose de faire des albums en couleur, les nouveaux albums en couleur, mais aussi qu'il remanie les précédents pour les mettre en couleur et dans un nouveau format, sur 62 pages au lieu de 120 ou 130. Donc c'est là que justement il est content d'avoir redessiné pour le journal Atlas de News en néerlandais une nouvelle version
graphique de Tintin l'Amérique, qu'il va pouvoir à son aise découper et recoller. Crime pour les tintinophiles purs et durs de savoir qu'Hergé a découpé lui-même ses originaux pour les remonter. Enfin, c'était pour la bonne cause, et ça a donné naissance à l'album que tout le monde connaît, qui est l'album classique d'aujourd'hui. Alors, à travers les couvertures de ces trois versions, parce que j'ai parlé de trois versions, en fait, c'est deux versions. Mais la version noir et blanc, qu'Hergé a créée, donc, dès que l'histoire était terminée dans le petit 20e et que l'album se présentait, il a évidemment songé à une couverture. Et il a fait donc une couverture, on voit Tintin qui, en cow-boy, qui est à un feu de camp, et dans son dos, il ne le voit pas, il y a des Indiens qui sont là avec un regard menaçant. Donc il est occupé à préparer son petit repas du soir dans la prairie. Voilà. Par après, il y a plusieurs albums qui se seront ajoutés, toujours des albums noir et blanc, mais avec des hors-textes en couleur dedans. À un moment donné, Casterman demande à Hergé de remanier la couverture. Et donc Hergé a en tête une chevauchée de Tintin, vue de profil, avec son lasso, un peu comme dans l'histoire, hein, quand Tintin va finalement lancer le lasso dans les pattes de son cheval qui va faire la cabriole. Donc Hergé, à ce moment-là, et ça aussi c'est un élément que vous trouverez dans mon livre, Hergé écrit à son frère est militaire de carrière, féru d'équitation, un grand connaisseur de tout ce qui est la cavalerie, et avec un joli coup de crayon aussi d'ailleurs. Donc il pose la question, Hergé, il pose la question à son frère des phases du galop du cheval. Et donc le frère lui envoie une lettre avec plein de petits croquis des différentes phases décomposées. Et c'est évidemment fabuleux. Bon, c'est pas très détaillé, mais les attitudes sont justes, jusqu'à une petite remarque, si tu choisis cette attitude-là, n'oublie pas que les oreilles du cheval doivent être vers l'arrière. Et donc, c'est celle-là qu'Hergé a choisie. Donc, il a fait cette couverture que vous allez retrouver et montrer certainement, qui est une très très jolie couverture, très dynamique. On est pourtant là toujours dans le monde peau rouge. Et puis après, alors, quand l'album en couleur, donc en 47, dans la foulée d'autres albums qui seront déjà parus en couleur depuis 42, Hergé fait des nouvelles couvertures, et là il oublie les deux dessins précédents, et il fait cette attitude de Tintin lié au poteau de torture, menacé par un sachem qui est à l'avant-plan, qui est très grand, et qui le menace. Et pour une fois, on a une couverture où Tintin est là en victime. Mais je pense que, enfin, c'est comme ça que je le comprends, que Tintin soit en victime, c'est pas très important, ce qui compte c'est le suspense. Parce que Hergé a bien le sentiment d'un publiciste qu'une couverture, une bonne couverture, doit intriguer et doit avoir donné l'envie d'aller dans l'histoire. Et donc celle-là, évidemment, à ce point de vue-là, elle est extrêmement réussie.